Bienvenue dans Demande à Barbie. Vous me posez vos questions et j'y réponds. En rangeant ma formidable garde-robe, j'ai trouvé ma robe de princesse et j'ai décidé de la porter aujourd'hui. Parfois, il faut mettre sa plus belle robe pour ranger. Ça aide. Et justement, la mode est le thème d'aujourd'hui. Daria N demande, fais une autre vidéo de licorne, s'il te plaît. Avec plaisir. Merci de me laisser m'entraîner pour la semaine de la mode. Avec plaisir, nous aimons toutes tes tenues. Je vais vous présenter quelque chose de différent sur le podium aujourd'hui. Ce n'est pas de la mode, c'est de l'inspiration. Wouhou ! Le must absolu de cet été, c'est la force, le courage et l'intrépidité. Maintenant ! C'est extraordinaire ! Les licornes sont magnifiques, elles sont fortes, elles sont uniques et vraiment fabuleuses. Elle est superbe. C'était magnifique. Quel merveilleux défilé. Et comme nous sommes toutes merveilleuses, nous devrions monter sur le podium ensemble. Je crois que le second must de cet été, c'est l'amitié, non? L'amitié est toujours à la mode. Tessa Baby demande, quelle est ta robe de soirée préférée? C'est ma robe argentée, sans aucun doute. Mais j'ai eu un peu de mal à la retrouver au dernier réveillon du nouvel an. Tu as vu l'heure? Nous allons finir par être en retard à notre propre soirée. Je suis presque prête. Je n'ai plus qu'à mettre ma robe. Je la prends. Nikki, attends! J'oublie toujours que ta garde-robe est un portail vers Dreamtopia. Oui, je comprends. Cette fois, nous sommes vraiment en retard. Bonjour, Barbie. Je te souhaite une bonne année. Bonjour. Ah, j'adorerais bavarder, mais nous sommes en retard à une soirée. Peux-tu nous aider à rentrer chez nous? Mais oui, bien sûr. Suivez-moi. Et voilà votre fête. Elle a l'air formidable, mais non, ce n'est pas celle dont je voulais parler. Tu voulais peut-être parler de celle que tu as organisée? Oui. Alors, je sais comment y aller. Suivez-moi. Vous y êtes! Merci, mais en fait, ce n'est pas celle-là non plus. Tu en es sûre? C'est pourtant sur le thème de Barbie. Oh! Bon, au moins, j'ai retrouvé ma robe. Hop! Voulez-vous rester et fêter la nouvelle année avec nous? Ce serait formidable, mais nous devons assister à notre propre fête. Tous nos invités vont bientôt arriver. Montons. Elle dit qu'elle peut nous ramener jusqu'à ma garde-robe. Allons-y, nos invités sont sûrement déjà là. C'est bizarre. Peut-être qu'ils sont encore en route. Regarde, des verres vides. Quelqu'un est forcément venu ici. Une couronne de princesse? Je sais où ils sont passés. Nous t'avons enfin trouvé, Barbie. Et moi aussi, je vous ai trouvé. Zara Yadé demande, des licornes se cachent-elles dans ta garde-robe? Eh bien, j'ai rêvé que oui, mais ce n'était qu'un rêve. Je crois que Chelsea aussi était dans ce rêve. Bizarre. Voilà, c'est ma grande sœur Barbie. Elle est très gentille et très drôle aussi. Oh, pour le moment, elle dort, Moroko. C'est pour ça qu'elle ne fait rien de très amusant. Oui, Miracle, c'est très drôle. Mais il ne faut pas la réveiller. Croyez-moi sur parole, elle est très drôle. Vous n'écoutez rien de ce que je vous dis, en fait. Marigold, Miracle, Moroko. Oh. Je veux voir le responsable des fleurs. J'ai un sérieux problème de pollen. Alors, vous voyez bien qu'elle est drôle. Maintenant, on va essayer ses vêtements. Chelsea? Ces licornes portent mes robes? C'est un rêve. Ah, je comprends mieux. Bonne nuit, Alain. Ouf, nous l'avons échappé belle. Maintenant, retournons dans ma chambre. Merci d'avoir regardé. Demande à Barbie. J'espère que cela vous a amusé de me regarder ranger ma merveilleuse garde-robe. Moi, oui, en tout cas.
Voyons où ai-je bien pu ranger les bébés licornes. Je plaisante. À la semaine prochaine. Au revoir.